J'ai été sacré inouï du printemps de Bourges en 2017. Il y a un vrai lien avec le festival et moi parce qu'on a eu une histoire en commun. En 2017, je découvrais un peu le milieu, c'était une de mes premières scènes et devant un parterre un peu professionnel parce que c'était un peu pour ça, les Inouïs, découvrir des gens qui pourront potentiellement travailler avec nous et avancer dans notre carrière. Et du coup, bah, j'étais un peu là les yeux comme as, en mode je vais tout découvrir, je vais tout bouffer. Et j'avais été le prix du jury de cette année-là. Et ça m'a ouvert grave de portes ensuite, et après on connaît le chemin qui s'est passé. C'est très compliqué de sortir de la grande mêlée des gens qui font de la musique et qui tentent d'exister. Ce sont des espaces qui permettent quand même de faire un gros bond.